Pour qui on est là? Pourquoi on fait ça? Dis-moi, vas-y, dis-moi. Pour qui? Pourquoi? Pourquoi on est là? Dis-moi, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Je veux savoir pourquoi, je suis tout seul dans le noir. Je veux savoir pourquoi, quand je sors seul, je me sens tout seul. Assez normal, tu penses que ça coule de source? Tu penses que le paradoxe est bien présent? Tu penses que je m'explique pas clairement? Bah va te faire foutre, tu veux pas comprendre. Si tu veux pas comprendre, c'est que tu peux pas suivre le rythme. Et si tu peux pas suivre le rythme, c'est que tu pourras pas me répondre. J'ai pas envie de poser des questions si je connais les réponses. C'est comme ça, j'ai pas de ponce, j'ai ponce et je ponce le ponce. Je ponce la vie, je ponce ma pensée, je ponce mon esprit, je ponce tout ce que je peux et je m'essuie. Et franchement, j'en ai plein de cul de glisser. Je glisse sur la vie, je glisse comme sur l'étoile. Glissant sur un toit, je suis tombé à 200 mètres. Pas rattrapé, j'ai pas pu me rattraper sans parachute. Je suis tombé dans le vide, et pris par la brose et pris par le vide. J'ai peur, je ne veux plus rester tout seul. Et pourtant c'est comme ça que j'ai construit ma vie. J'ai construit ma vie égocentrique autour de moi-même, autour de mon centre, autour de mon ego, autour de ce que je fais. Je veux plus partager, j'ai envie de tout manger, j'ai envie de me gaver, j'ai envie de me blinder. En fait ce que je veux, c'est garder tout pour moi. Putain espèce d'égoïste, va te faire enculer, tu finiras tout seul en bout de liste, triste. Et j'espère que tu t'en mordras les doigts. T'as pas la foi, t'as pas le droit, t'as pas de loi pour toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait t'es qu'un anarchiste déçu, t'es qu'un putain de libertaire de merde. T'es qu'un mec qui revendique plein de bonnes idées, mais en fait qui fait rien, voilà ce que t'es. T'es qu'un connard, un enfoui, gâché, quelqu'un qui a voulu tout tromper. Mais en fait tu t'es pas trompé toi-même, voilà mec. Quand t'es face à toi-même, tu sais que t'as fait toutes ces erreurs. Peut-être que les autres ils s'en rendent pas compte. Mais toi, face à toi-même, quand tu te regardes, tu sais ce que tu vaux. En fait pas grand chose, tu vaux 3-0, tripler d'un 4ème 0, additionner, multiplier, diviser par ce que tu veux. De toute façon, ça fera rien de toi, ça fera qu'un cendre de poussière. Tu ne vaux rien dans la galaxie, le cosmos t'a pris et pris, t'es tombé sur un os, va te faire enculer PD. Tout ce que tu pourras c'est ranger les restes. Parce que de toute façon tu n'es qu'un chien galeux. Tu es un chien galeux qui ne croit pas en Dieu. Alors va te faire foutre, tu croyais être respectueux, mais en fait tu fais rien, tu vas même pas prier, tu sais même pas prier. Je parle pas de la prière de Dieu, je parle de ta prière, ta propre prière, celle qui fait de toi quelqu'un à part, quelqu'un qui a des droits et des lois, le choix de faire ce qu'il veut de soi-même. Mais non, en fait tu fais rien, voilà, t'as de la peine, un peu trop de haine, à cause de ta colère, t'as basculé du côté obscur. Tu pensais être un Jedi, tu pensais contrôler la force, les éléments, tu pensais faire ce que tu voulais. De temps en temps, en fait, tu t'es fait prendre par, en dépit de ta colère, en dépit de toutes ces erreurs que t'as faites sur Terre, et même au travers de cette galaxie, l'infini t'appelle. Et pris par la prose et les prix, je prie que cette colère soit tienne. Que cette colère soit tienne. Juste pour que tu comprennes que je ne suis qu'un schizophrène faisant partie de l'espèce humaine. Je ne suis qu'un spécimen. Voici le spécimen. Et pris par la prose et les prix, je prie comme un monstre enfoui au fond de moi. Quelqu'un qui ne sait plus, qui va se transformer. Minuit a bientôt sonné. J'ai pas laissé le soulier de verre par terre. Je suis pas le prince charmant, je suis pas celui qui va réveiller la belle, je suis pas celui qui va monter dans le donjon. Je me suis peut-être battu avec le dragon, mais sache que j'ai perdu un œil, j'ai perdu la vue, je me suis plus, je me souviens encore du feu, des étincelles, de la lumière. Et putain, cette putain de bruelle, c'était la truelle, la cruelle, ruelle, truelle. Putain, je ne dis plus rien, je ne sais plus rien, je perds l'esprit. Voici comment je me suis fait prendre, ronger mon esprit par cette vie. J'arrive plus à m'exprimer clairement, j'en suis vraiment désolé. Et toi qui m'entends, est-ce que t'es en train de te dire que je dis de la merde? Et t'as peut-être raison, je t'avoue, peut-être que t'as sûrement raison. J'ai même envie de te donner raison plus que le dernier mot. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime bien garder le dernier mot pour moi. Et voilà, mon ego parle encore pour moi, c'est comme ça. Alors je veux le dernier mot, mais je te donne raison sans concession. Est-ce que ça te va? Sinon on peut remettre encore les choses en question. On peut tout remettre en question. On peut tout faire. On peut tout faire. Tu comprends? Rien n'est insurmontable et rien n'est impossible. En tout cas pas dans la langue française. Pas pour moi, je ne le pense pas. Fais ce que tu veux avec tes poids, avec tes mains, avec ton choix, avec ton esprit. Fais ce que tu veux avec ta tête, avec tes idées. Va où tu veux, fais ce que tu veux. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Moi ma devise c'est qu'ils se niquent tous. Elle a un petit peu changé maintenant, elle est devenue. Je fais ce que je veux quand je veux, où je veux, si je veux. Voilà c'est ça le respect. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, où tu veux, si tu veux. Mais il faut que tu le fasses avec respect, avec honneur, avec bon sens, avec diligence. Et voilà comment je fonde mon espérance. Voilà comment j'essaye de devenir meilleur. Voici comment les jours, voilà comment je m'entoure de ma plus grande lueur. C'est même pas la mienne, c'est celle de Dieu. Pourquoi j'en viens à parler de Dieu alors que je crois absolument pas en lui? C'est bizarre ça. C'est un concept assez particulier, faudrait que je creuse. En fait, il faut tout creuser. Il faut creuser, enterrer, déterrer, faut... Je sais plus, je dis de la merde. Je dis de la grosse merde. Voilà ce que je fais au jour le jour. Je dis de la merde. Et le pire, c'est que je trouve que ça sent bon. Le pire, c'est que j'ai presque envie de la manger. Le pire, c'est que je suis même coprophage. Le pire, c'est que j'arrive plus en ouvrage, en outrage, dans cette société, dans cette vie. Voilà, je peux même plus sortir de chez moi en étant sûr de moi, de ce que je vais faire, de ce que je vais dire. En fait, quand je fume trop de joint, j'arrive même plus à regarder les gens dans les yeux. J'arrive même plus à accepter ce que je fais, ce que je dis et mes décisions parce que tout est flou. Voilà, je me sens un peu fou, je me sens à l'écart, je me sens en marge. J'ai toujours été comme ça, c'est pour ça que je me fais des fois la crête, c'est pour ça que j'ai un chien, c'est pour ça que j'aime traîner dehors et que j'adore zoner. J'aime bien rencontrer les gens qui ont rien, j'aime bien les gens qui ont faim, j'aime bien les gens qui partagent quand ils ont rien. Putain, c'est trop bien de dormir dehors.
dehors, d'avoir un peu froid, mais de se dire que la convivialité réchauffe. De toute façon, c'est l'énergie des gens qui réchauffe, c'est l'énergie qui réchauffe mon cœur, qui me donne envie d'aller plus loin, qui me donne envie de lutter. Les poings devant les têtes, la tête baissée. Et ouais, je m'en fous. Et si je te dis que j'ai la tête baissée, c'est pas que je me mets à genoux, c'est simplement que je dis amène à tout parce que tout a de l'importance. Vois d'une manière ou d'une autre, si t'arrives et que tu veux faire preuve de transparence, faudra que tu fasses aussi preuve de tolérance. Je te dis, moi ma tolérance, elle a été amenée à dure épreuve. Mais maintenant, j'ai la preuve que j'ai passé le niveau, j'ai peut-être passé un cap. Et pourtant, faut faire toujours attention parce qu'on peut chuter 10 ans en arrière. Souviens-toi des temps où tu étais encore enfant, ta construction identitaire, ce qu'a fait de toi ton père, ta mère. Et putain, ce respect que tu leur dois éternellement, c'est le fait. Je te jure, si tu... Putain, si tu le fais pas, tu vas t'en vouloir, tu vas avoir des regrets, des remords. Et ça, putain, avant de mourir, c'est vraiment la pire chose qui pourrait t'arriver. Souviens-toi des dernières choses que tu vas voir. Quand tu peux pas t'en souvenir, c'est pas encore arrivé. Mais je veux dire, anticipe-le, essaye de voir quand tu vas te coucher, quand tu rêves la nuit, au lieu de faire des cauchemars tard le soir, et que tu te réveilles en sueur, et que t'as peur, et que t'as de la douleur pour tout ça. Eh ben non, le fais pas, essaye de voir un peu plus clairement la lueur. Dis-toi que le porte des lueurs t'a ouvert ses portes avec honneur. Respectons tout ça, je sais pas, les valeurs de l'humilité, les valeurs de l'humanité. Allez, les gars. Regarde comment elle est branchée pour que le son il sorte. Si je branche le truc si je le branche à fond, le son, il est. Regarde comment il est. Il n'y a plus de basse. Il faut le mettre à moitié. J'ai pas d'autre adaptateur. Là, qu'est-ce que t'as fait? C'est bizarre, non? Je sais pas. Ouais. Là, tu l'as mis comment le jack? Parce que là, le son il est propre. Là, il enfonce à fond. Là, c'est bon alors. Ah, ouais, c'est bon. Il y a des chansons qui suivent ça en fait. Oui, non, mais c'est parce que l'enceinte c'est ça, c'est de la merde. Alors c'est que la qualité de ta musique regarde, elle est pourrie. C'est parce que la qualité elle est. Ouais, bien. Mais quand je le branche pas à fond, eh ben j'ai le son. Regarde comment le son il est pourri là. Là le son il est trop pourri. C'est bizarre. Ça vu, c'est chelou. C'est ton câble alors, ça se trouve. Il est tout neuf le câble. Ouais, je l'ai acheté hier. 10 balles. Voilà. Et là, si je la branche pas à fond, ça me sert, enfin, elle marchait nickel. Non, mais ça se trouve, c'est ton matos, il est pour moi, c'est mon matos. Je pense que c'est juste que mon installation elle est finie. Ça peut se mettre où elle veut, elle branche pas, pas sur ça. Regarde. Ah, elle est bien celle-là. On peut louer. Ouais, ça fait classe. T'as chopé ça où? Moi, je l'ai de chez les compagnons, c'est une baisse de chez les compagnons. Ouais, elle est pas mal, franchement. Ouais, c'est un casse. Je voulais juste réécouter un truc et après j'arrête ça parce que du coup tu me prends, j'étais en plein boulot, genre je parle, je fais mes impros, je suis tout seul comme un gros con et je travaille comme je peux quoi.